Ah oui, d'accord, ouais. C'est violent, ça! Et en plus, c'est Deus Vult! Ras à l'arbalète. Ou gagner 3 cartes militaires aléatoires. Avec ça, on pourrait l'utiliser avec notre carte expérimentation, ça serait parfait, ça. Ça, c'est du pouvoir ou pas? Non, pas vraiment. Ça va et toi, Marandraco? Bonsoir à toi. Embauche. On n'a pas ce qu'il faut, bien sûr. Ah! Il y en a un qui arrive avec une tombe là. La belette travailleuse protège ses amis avec une pierre tombale. Pas super rentable pour l'instant ce que je fais moi. Budget. Ben on va redemander le budget hein. Le budget c'est pas mal, j'aime beaucoup, c'est rentable, c'est une maison de plus. Embauche. On pourrait mettre un gardien. J'ai pas assez pour un canardo. J'ai assez pour un bandit. Les premiers secours, c'est pas mal ça. On peut soigner tout le monde. Je constate que le revanchisme est présent chez les rats aussi. Alors, nouvelle unité. La belette voleuse. Saupoudre du sable sur les ennemis pour réduire leurs dégâts. Mais c'est pété ça! Le messager, bah non, on a dit que le messager c'était un peu pourri en fait. Les alarmes des vagues apparaissent 15 secondes plus tôt. Pour savoir de quoi est constitué l'adversaire. Alors que là, on pourrait avoir des cartes légendaires. Notamment la bibliothèque. Moins 25% de réduction à l'achat de cartes pour le bazar. Ou retarder la vague de 5 secondes. Ah merde! Plutôt bazar ou bibliothèque? La bibliothèque nous permet d'avoir plus de pioches, donc ça peut être utile pour le potier par exemple, ou même pour utiliser avec la carte, comment dire, avec la carte d'expérimentation, ça peut être sympa. D'ailleurs, le combo, ça serait si on a dans le deck ici, enfin si on a sur nos cartes potier expérimentation. C'est d'abord aller chercher la carte donnée par notre passif, par notre actif, pardon. Ensuite faire potier, ensuite activer la carte et activer la carte derrière. Ah bah on va pour la bibliothèque alors. Et jouons RP en effet. Potier. Je peux rien faire, j'ai pas de maison, j'ai rien. Putain, j'ai rien. Sérieusement, j'ai rien. Bonne nouvelle, leader. Nous ne sommes pas les seuls à relancer la civilisation. L'éclairant indique un point sur la carte. Bon, on peut leur donner une carte, en effet. On a trop de milices. On a un bonus autant sur les... Non, même pas, c'est pas là qu'on a les bonus. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre?
Le potier à nouveau. Ah, j'aurais dû tirer ma carte. J'avais dit qu'il fallait que je tire une carte. Quand c'était que ça. Tant pis. Et j'aurais dû tirer ça. On va prendre ça. Ah, on a la carte de l'unité, enfin une unité qu'on ne connaît pas. Donc c'est la belette invocatrice appelle les belettes endormies. Invoque une belette momie. Ok. C'est le bordel. J'aurais dû faire ça d'abord, mais ok. On a besoin de maison. Marchandage, je prends. Fromage, fromage, on prend ça. On va avoir ça, plus d'or. Allez! Il y a quoi d'intéressant là-dedans? Le potier, mais pas maintenant, le potier. On va faire ça. On va prendre le potier. Bon, alors, c'est potier, on lève ça, on fait la maison, on améliore, on lève les herbes, on prend de l'embauche. On va mettre, dès qu'on pourra... Ah, il y a un rat à l'arbalète, c'est bien ça. Et un rat bouclier ici, c'est bien aussi. Budget, on embauche. Qui c'est qui a tué ici? Tiens, prends-toi des claques. Le choix des cartes. Poste incendie. Glacim qui se prend pour E.T. Maison. Bonne soirée à toi, Flo Flo. Fallait virer le rebelle. Bah, le... le virer, hein. Oh, l'arbalète. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant là-dedans? Oh purée, il faut cliquer comme un dingue. Bon, les gardiens, on a dit quand même qu'on les avait améliorés, donc ça serait con de pas s'en servir. Pas dans le bon ordre, tout va bien. Oula! Berserk. Assistant, plus 25 de PV pour les cartes militaires. Oh que oui! Oh que oui! Oh que oui! Qu'as-tu là-dedans? La corne, ça je prends. La tour de guet, on peut la prendre aussi. La réparation, ça peut être utile. La muraille, on peut pour améliorer des murailles à l'arrière. Le radast, ça m'ira bien. La carte aléatoire nous donne la taverne. Toutes les 120 secondes, dupliquer une carte. Dark Rator va s'en occuper. L'Empire Ratlactique, ouais. Ratlactique, purée. Est-ce qu'on aurait besoin de casser un bâtiment, d'utiliser la démolition? On peut la garder au cas où. C'est vrai que ça peut être sympa. En fonction de ce que l'on a.
La tour de guet, là derrière, ça me va. Les réparations, ça me va aussi. De l'or, parce que j'en ai pas assez. Alors, la muraille, on va améliorer le niveau 2, on va mettre le fort, on va mettre une taverne également. Il va mourir. On va... Ah bah non, j'aurais pas dû. Tant pis. Donc on va faire ça, on va choisir une carte. Qui serait intéressante, le vampirisme, j'aime beaucoup. On va faire ça, ça, ça. Le budget, on va lancer des cartes. Toi, tu vas mourir. Là, on l'a bien fait. La succession était plutôt pas mal. Et on a un nouvel ennemi, la belette Pathfinder. Augmente la vitesse de déplacement de son compagnon. Buff sur vitesse. Saleté. Saleté de saleté. Une maison de plus. Du marchandage. Cri de guerre. Dommage, ça a été intéressant, mais là... on n'a rien à détruire là tout de suite. On va les ralentir. Hein. Bon, bah on a besoin de plus d'or. Prenons plus d'or. Ça veut bien tenir pour l'instant. Prendre la corne, on va prendre un chevalier. La mine est dispo. Potier. On reprend le potier. Repotier. Qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant là-dedans? Premier secours. Pour soigner tout le monde. A noter qu'on n'a pas eu encore la poste de soin. Dark Rator va s'en occuper. Pire, mais ça c'est... Oh là là. Le budget, ouais, c'est à peu près rentable. On va réparer ça rapidement. On va prendre plus d'or. Une maison améliorée encore. On peut prendre l'expérimentation. La démolition, ce sera non. On va prendre l'or. Tant pis, j'ai utilisé ma carte pour rien. Mal utilisé ma carte. Taverne disponible. Qu'est-ce qu'on peut dupliquer qui serait vraiment intéressant à obtenir? Des rats à l'arc. Je pense que ça peut être pas mal. Tiens, prends-toi... tout ça de dégâts. On va prendre un petit vampirisme. Je pense que le vampirisme là, plutôt rentable en général, hein, le vampirisme. On se soigne sur leur gueule. Moi j'aime bien. Ah. Ah 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 ah. Morpheus. Je vous dis seulement la vérité. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé dans cette situation, mais avant de vous en rendre compte, un scientifique étrange, légèrement dérangé, a essayé de vous vendre quelque chose. Dans la boîte bleue, c'est quelque chose que vous connaissez, quelque chose qui renforce ce que vous savez déjà. Dans la boîte rouge, on trouve la vérité qui mène cette ville vers une nouvelle ère, et nous irons dans le terrier du lapin. Cela semble tout aussi dramatique pour l'argument de vente. Alors, la seringue ou l'extension? L'extension nous permettrait de monter des murailles de niveau, ou des bâtiments de niveau supérieur. La seringue? Bon, on va pour la seringue.
Oh la seringue, oh la seringue. On va prendre le tannage. On va tirer les cartes. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on a le potier? Ben, on a le potier, oui. Le potier est là. Embauche. Ah oui, j'aurais dû faire l'embauche. Là, par exemple, là, il aurait fallu faire l'embauche avant de faire le potier, par exemple. La garenne? Je pense que c'est. Voilà, hein. Le totem, la muraille. Ouh, le rat épée longue, bien. Le bandit aussi, c'est pas mal. J'ai encore le souvenir du super canard. Ouais, mais t'imagines le canorosaure avec la seringue. Déjà qu'il a 1000 points de vie, tu le mets 1100 points de vie. Ça sert tellement à rien. Bon, par contre, un médecin. Ah, il y a vraiment des combos qu'il faut penser dans le bon sens. Parce que si tu te plantes sur ton combo, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Le tannage, on va prendre ça. Ça, on va prendre ça. On va améliorer le totem. Il est où le totem? Là, ça fait quoi le totem? Moins 2 d'attaque, d'accord. Ouf. La belette Sand King, la belette reine, roi du désert. Donc fait des tempêtes de sable. Invoque une tempête de sable pour protéger le corps contre les attaques. Sérieusement? Vampirisme. Et également la belette momie, encore à moitié endormie. Ah d'accord, ouais. Oh purée. La belette momie. Mais ce jeu, mais ce jeu! Par contre, toi, tu as amélioré la muraille. Est-ce qu'on mettrait pas une petite seringue sur. On va prendre la prime. Bricoleur, quand une carte est retirée, plus 50 gold. Ouais. L'extension, ou alors on améliore une carte. Est-ce qu'on n'améliorerait pas des cartes? Ah ben, il se tape 100 points de vie, il est à 168. Et encore, t'imagines, on aurait fait ça sur un. Amélioration du potier? Ouais, mais le potier, je me plante tout le temps! Est-ce qu'on n'améliorait pas nos unités? Ouais, ou de la garenne. Ouais, c'est vrai que la garenne, c'est pas mal. Tant pis, ça c'était pas à faire. J'ai pas regardé mes affaires. C'est top. Ok. Démolition. Est-ce qu'on détruirait pas la Syrie? On va détruire la Syrie pour se laisser de la place pour un bâtiment peut-être plus intéressant. La ferme, ça. Qu'est-ce qu'on peut dupliquer? Ben, dupliquer le rat à l'épée longue, hein. Je crois que ça c'est tout vu. Et on a une Syrie à nouveau. Ben, ouais, mais non, je voulais pas de Syrie en fait. Ah oui. Donc il faut tirer ça. Il nous faut. On va prendre la carte d'attaque. On va faire ça. Ça. Y'avait pas une attaque là? Bon, tant pis, pour avoir 50 gold. J'ai pas de. Ah! Là, le potier pourrait être intéressant. Parce que si je fais ça, je retire des cartes, ça j'ai de l'argent. Et un nouvel ennemi est apparu, le lézard, la salamande guerrière, lézard fidèle cherchant des animaux à sacrifier.
Sérieusement? On pourrait pas avoir un médecin là? Elles font mal. Mais ça tient, ça tient, hein. Tremblement de terre. Est-ce qu'on perdrait pas tout notre or? Perd tout notre or, hein. On est prêt. Alors, là, on aurait recueillir. Non, bah non, il n'y a rien d'intéressant. On va prendre une maison. Si on peut avoir des habitants en plus, on va prendre la maison. Pas assez d'or. Allez, 50 d'or. Allez, 50. Bah tiens, je suis con. Allez. Et une petite maison là. Comme ça, on peut garder une place pour un bâtiment de niveau 2. Et un épée. Allez. Donne l'argent! Est-ce qu'on aurait... On va prendre le fromage. L'épée longue. Et quand même, quand on a pas mal de gars à... Ah, un nouvel ennemi est apparu. La salamandre archère. D'accord. On va dupliquer. On va dupliquer. On va dupliquer. Peut-être le potier. Ok, ça veut tout dire. J'aurais dû avoir le vampirisme, mais je l'ai pas fait. Allez, on va mourir, s'il vous plaît. J'ai pas assez d'unités. Non, j'avais pas dû prendre l'or. Je fais n'importe quoi, pas dans le bon ordre, tout va bien. Embauche. Est-ce qu'on pourrait pas reprendre l'embauche? Alors, la salamandre jumelle, elle se fâche quand un de ses frères meurt. Ok, elle attaque en AOE. C'est génial. Et la salamandre jumelle, elle se fâche quand l'un de ses frères meurt. Ok. Et elle, elle attaque avec la rage. Ok, d'accord, c'est top. Merci. On aurait le vampirisme. Ok. Et la ville est attaquée. Oh purée, d'accord. Ok, vas-y, va mourir. Ok. Bon, bah définitivement, on n'est pas si bien que ça. Là, on a tenu, mais... Ils foutent le feu de partout. Ah. Ah oui, d'accord. Ah. Par contre, oui, ils font sacrément du dégât en fait.
Bon, bah, je vous annonce que c'est perdu. À moins que. À moins que. Ah! Ah merde! Bon. Bon, c'est perdu, définitivement. C'est vraiment bête qu'on puisse rien mettre sur le. Donc, salamande pyromancienne, attaque à distance, attaque de feu, jette des bombes qui transforment la région en une mer de feu. Donc, c'est ce qu'on voit là. Ouais, il est relou l'archilézard, ouais, je suis d'accord. Hein. Rendez l'argent, Ratnelope! C'est un peu ça, ouais. Mais bon, au moins, bon, vague 22. Mais là, faut dire que. Ouais, le désert, c'est chaud, hein, quand même. Autant, jusqu'à la vague 20, ça allait à peu près. Mais alors, une fois qu'on a commencé à se taper les salamandres, là, j'ai pas vu le reste, hein. Clairement, très compliqué. J'avoue que là, le désert c'est chaud. Cléassime 2020. Ben, je t'apprendrai qu'il y a des déserts froids hein, sur Terre, juste comme ça. Sans parler de l'Arctique, sans parler de la Sibérie ou autre. Ce sont des déserts froids. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que le feu et l'acier c'est efficace pour détruire les trucs et tuer des trucs. L'Atacanac, ouais. Aussi. On peut plus rigoler. Hey, ouais, non mais. Un désert aride et froid vu l'altitude. Ouais. Mais tu as du froid et sec, hein. T'as pas. Le désert est pas forcément, forcément chaud. Hein. La Sibérie, c'est un désert. Désert froid. Tu prends le Groenland, c'est un désert froid. Enfin, suivant les endroits du Groenland, l'Arctique, pareil. Il y a plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Bon! Eh ben, on aura fait une sacrée session quand même. On te demande un désert, tu sors pas un truc froid. Ben, pourtant, un désert, c'est juste que ça veut juste dire qu'il est censé rien y avoir, qu'il n'y a pas de végétation. Allez, on s'arrête là pour ce soir, en tout cas. On verra si on fait une troisième session de Ratropolis ou pas, en essayant en moyen, notamment de finir la forêt, pourquoi pas. Ou même de tenter aussi la plage, ça pourrait être pas mal. Il y a de la végétation en Sibérie. Oui, ça devrait aller. La Creuse, sinon c'est un beau désert. C'est pas faux. Allez, sur ce, merci à tous bien sûr d'avoir regardé ces épisodes et ces rediffusions. Merci à ceux qui ont participé. Live, et on se retrouve donc pour de prochains épisodes et de prochains lives. D'ici là, portez-vous bien. Salut!